Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une nouvelle vidéo test de slime sans colle. Pour la première recette, je vais mettre du gel douche. Je vais ajouter un petit peu de peinture. Et des paillettes. Et ensuite, je vais mettre du bicarbonate de soude. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait une réaction. Ça a changé de texture. Je pense que vous le voyez. Je vais mettre ça au frigo pendant 24 heures. Donc je vous retrouve avec ce slime pile poil 24 heures après. Donc on est le lendemain matin là. Dessous c'est trop beau, toutes les paillettes sont retombées dessous. Et comme vous voyez, il bouge pas d'un poil. Donc j'espère que ça fait vraiment un slime. Ça coule pas du tout, ça bouge pas du tout. Hein. Je vais déjà mettre mon doigt dedans, on va voir. Voir ce que ça donne si je décolle un bord. Vous voyez qu'il y a des parties solides, hein. Il y a des parties qui font assez slime, mais ça reste quand même assez humide. Vous obtenez quand même une pâte avec laquelle vous pouvez jouer, ça fait quand même vraiment des morceaux. Après, à vous de voir ce qui vous convient, est-ce que vous considérez que c'est du slime ou pas du slime. Pour la deuxième recette, je vais mettre encore du gel douche. Ensuite, je vais mettre du dentifrice gel, hein, pas du dentifrice pâte. Et ensuite, vous mettez soit du sel, soit du bicarbonate de soude. J'ai vu les deux solutions, donc déjà on voit tout de suite que contrairement à la précédente où il y avait une réaction immédiate, on voyait que ça formait quelque chose. Là ça n'a pas l'air de former quoi que ce soit. Vous voyez que j'ai beau rajouter, remuer correctement, ça reste très liquide. On ne voit pas la formation d'une pâte comme pour la précédente. Je vais quand même mettre au frigo avec l'autre pendant 24 heures et on verra. Donc voilà le slime après 24 heures au frigo.
Non, franchement, ça fait rien du tout, ça marche pas. Alors, je sais pas s'il y a des meilleurs dentifrices que celui-ci. Peut-être, hein, c'est possible, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, celui-là, ça marche pas. C'est le Colgate Max Fresh. De toute façon, ça s'est vu que ça formait pas du tout quelque chose. Je pense que vous verrez bien la différence entre le premier, quand on a ajouté le bicarbonate, ça a fait quelque chose. Et là, ça a rien fait du tout. Celle-ci, elle ne fonctionne pas. On va essayer avec un autre dentifrice, pourquoi pas. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.